revenir. Je ferais ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Mais devant moi, il y a un ventilateur, puis on dirait tout le temps qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Ah, mais ça... Ouais. C'est, hein, c'est un trompe-l'œil. Non, c'est un claque-regard. Ah, mon Dieu. Je connaissais les placards, mais pas les claques-regards. Bien, ça en est une preuve. Le ventilateur est un claque-regard. Bon, entre guillemets, encore. Pour les gens qui connaissent Errance Rénaldienne, bon, je suis l'animateur Rénal Gagné de cette émission qui est diffusée, la première émission du vendredi de minuit à 2, c'est-à-dire, si vous préférez, le jeudi de 23h59 jusqu'à 2h du matin. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à se référer, là, dû au changement de journée. Hein? Sommes-nous un dimanche, un mercredi? Comme là, actuellement, là, nous sommes dimanche. Ben oui, nous sommes dimanche. Ah, bon, faut aller prier. Bon, il faut aller prier. Pour qui? Pour moi. Pauvres pêcheurs. Mais il n'y a pas juste des pêcheurs. Il y a des... il y a des truites. Mais en dehors des truites, j'ai l'habitude de faire une première phrase de Bukowski et extrait de son recueil Contes et Nouvelles. J'utilise sa première phrase pour ensuite improviser un univers, une façon de voir la narration. Hey, monsieur, oui, je vous le dis. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas se faire plaisir? Te faire plaisir? Ben, me faire plaisir, merci beaucoup. Ben, de rien. Hey, monsieur, êtes-vous encore... Attendez, mettez ça là. Êtes-vous encore là? Ben, il n'est plus là. Êtes-vous là, monsieur? Monsieur? Oh, oui, êtes-vous là? Bon, hey, vous avez tenu bon, vous? Vous êtes agrippé sur le oui? Oui! Bon, alors, je sais pas le oui. Donc, la première phrase de Bukowski, c'est « Tout a commencé par deux ou trois réunions chez Joe Hyans. » Ben oui, c'était des réunions un peu comme à l'époque de la Prohibition. Oh! C'était caché dans un sous-sol. Oh! Grillagé. Oh, mon Dieu Seigneur! Puis là, lorsqu'on frappait à la porte, là, on était comme si on frappait à la porte. Attention, pour pas la caméra. OK, on y va encore une fois. Et là, il y a un petit clapet qui s'ouvrait en haut de la... Hein, entre le, puis ça, là, oui, on dit vers les yeux. Et là, on vérifiait, puis on devait dire un mot magique. C'était quoi? Waouh, pika pika chanina. Non. C'était pas une sorte d'invocation. C'était une phrase magique. Ben oui, mais c'est quoi ta phrase magique? Quin, Charlie Pimpin? Non, c'était... les carottes. Sont cuites. Ben oui, mais là, on n'est pas en train de faire de la cuisine ce soir, là, cette nuit. On veut rentrer dans cet établissement. Mais c'est ça, c'est la façon de faire pour y pénétrer. Ben voyons, donc les carottes sont cuites. On peut dire que les carottes collent au fond. Les carottes, oh, à toutes les carottes, collez-vous au fond, les carottes! On voudrait aller voir des photos, s'il vous plaît, d'une carotte prise dans le fond de sa chaudière ou de sa marmite, tiens. Et mais là, quand j'étais là devant la porte, moi là, j'ai frappé comme le rituel le demande, c'est-à-dire trois fois. Avez-vous entendu? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et là, on ouvrait la porte. Il y avait deux gros yeux qui me regardaient. Et là, on me dit, ouais, comme un peu comme le monsieur là, ici. Monsieur? Bon, c'est comme lui, mais un octave plus bas. Ouais. Et si tu disais pas, les carottes sont cuites, il y en a un par derrière qui t'agrippait, qui disait, qu'est-ce que tu veux? Là, tu devais dire, ben, je ne suis qu'un innocent. Ça, on sait que tu es un innocent. Là, ça commençait à chauffer un peu, comme si la carotte ramollissait. Quoique, moi, quand quelqu'un m'agrippe par derrière, ma carotte ramollit. Bon, mais c'est normal. J'espère que oui. Et donc, là, ça te donnait la chance de rentrer dans un endroit clandestin. Ah, là, il faisait noir, puis au loin, il y avait une lumière qui était projetée sur une table. Ah, c'était quoi, du cinéma à l'envers? Tout comme, mais je n'ai pas mentionné que c'était une surface écranique, là. J'ai dit un endroit où on voyait une lumière qui plongeait sur une table. Et puis, plus tu t'avançais, plus ça avait l'air louche. Puis là, tu ne pouvais pas courir. Ben, tu ne pouvais pas t'en aller en arrière parce qu'il y avait l'homme qui t'avait ouvert la porte qui te suivait derrière, là.
que tu devais... Premièrement, il faut avoir l'air décontracté. Oh, ça, c'est déjà dangereux. Très, très dangereux. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ça peut être ping, bang, ping, 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 ping. Ou ça peut être bonjour, comment ça va? Et là, tu commences à prendre l'apéro. Oh, deuxième apéro, s'il te plaît. Mais il ne faut pas trop prendre d'apéro parce que si tu perds la carte, eux autres vont trouver ton nord. Oh, mon. Le nord-est, non, le nord. Le nord-droit. Le nord-droit? Non, je ne connais pas ça, moi, le nord-ouest. Je connais le nord-est, sud-est. Et puis, DS. Ah non, DS. Ça, avec la DS, tu perds le Nord aussi. Bon, ben on perd le Nord n'importe où, là. Ben ça, non, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais avec monsieur, vous êtes toujours... Bon, OK, vous nous écoutez, là. Hey, travaillez-vous. Oh, travaillez pas. Travaillez-vous. Mais vous vous en souvenez plus, hein? Ah, on perd la mémoire quelquefois. Mais les carottes étaient cuites, même très cuites. Puis, je me suis pointé vers cette table... où se cachaient des cartes. Bien, ils ne se cachaient pas, mais on tirait des cartes pour jouer à un genre de jeu qu'on appelle le poker. Et qui? Le poker. Le poker! Oh, je n'ai jamais aimé ça jouer aux cartes. Ah, à part faire des châteaux de cartes. Mais il y avait toujours quelqu'un, quand mon château montait, puis il était vertigineux, là, quelqu'un m'arrivait patapore la tape là-dessus, ça tombait, je voulais le tuer. Puis j'ai déjà 3 arrestations là-dessus, puis j'ai un dossier casier judiciaire passablement volumineux. Pour avoir frappé quelqu'un, non, pour avoir crié tellement fort, parce que moi j'ai un problème buccal. Bon, j'ai une senteur passablement nauséabonde, et à chaque fois que je m'approche, et là les gens, les lunettes font, ils reviennent contre moi, ils veulent que je paye leurs lunettes. Penses-tu m'as payé contre quelqu'un qui m'a défait mon château de cartes, ça m'a pris 2h30 à monter ça. Regarde, 18 étages, je passe à part à terre, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, bien, il revenait contre moi. On allait aux petites créances et devant le juge qui, lui, était exacerbé. Ah, mon, devant autant d'insignifiance. Puis là, on me dit, voyons, donc, vous vous présentez à la cour, vous nous faites perdre notre temps. Ben non, 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 madame, la lunette de monsieur vaut 750 $. J'ai en banque 128 $ et 83 $. Là, dans une semaine, je vais payer ma carte de CKRL. C'est primordial pour moi. Fait que j'aimerais bien que monsieur, là, oublie ce fait-là de lui repayer ses lunettes. C'est pas moi qui a brisé mon château de cartes. C'est lui qui m'a brisé. Et là, la chicane. Là, je juge pas. J'ai pas fait des études universitaires pour plaidoyer une connerie semblable. Connerie semblable, elle. Je dis, madame, allez-vous payer? Ben, excusez-moi, juge, allez-vous payer, vous, pour les lunettes de monsieur? Ah, ben là, moi, j'étais pas là. Ben, moi, j'étais là. Hein? J'ai pas à me prendre là-dessus. S'il a fait une erreur, qui paye pour ses erreurs? Ah, mon, la chicane était prise. Ah. CKRL, cultive tes goûts.